Salut et bienvenue à toi, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour le 58e épisode de Elden Ring. Et donc on est rentré dans la grotte volcanique et on va l'explorer tout simplement. C'est parti. Alors il y a pas mal de monde, des gobelins. Bye. Allez, crie autant que tu veux, ça ne changera rien. Bon, on a ici un chemin à droite et on a un chemin à gauche. Y a rien. Y a un autre chemin. Super. Ok, on peut descendre là. Est-ce que c'est un raccourci ou essayer doigt métro? Bas nécessaire droit devant et donc objet précieux soit. Ok, on va voir plus tard. On va d'abord essayer les deux autres côtés. Soit ici. Ok, pas ici. Attention ennemi. Ouais, ça j'attends. Oh, coup de mort ici. Bah des dents. Ah oui, ok. C'est quoi ça, a rameuté tout le donjon? Ok, tout mène à la même place. Je vois qu'il y a un boss. Ok. Ok, donc je pourrais prendre le raccourci éventuellement. Esquiver pourtant. Oh oh, me fais pas de prise ce jeu. Ah, c'est pas le moment. Il est violent. Mange ça. Allez, bye bye Margot, la veine semi-humaine, et on obtient le canon jar. Alors, le canon jar. On va mettre ça où? Baliste. Juste pour voir. Ah ouais, mais j'imagine que j'ai pas de projectile. Je sais même pas ce que ça tire. Ça tire quoi comme
Projectile. Ah, hop, on retourne à l'entrée. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses ici. Bon, alors observons la carte. La pierre pour la carte, elle est là. Et on va essayer de suivre la route. Si on peut la suivre. Avance. Bon, le pont est là. Et d'autres ennemis qui vont me sauter dessus? Non. Un point de grâce, un site. Alors on a le choix, l'échelle ou le jump. Alors y a-t-il quelque chose de caché là-bas? Objet droit devant, bah oui. Sûr. Ok. Ouais, est-ce que c'est une bonne chose de le faire en monture? Oh oui, ça fait mal ça. Ouais, ça par contre, pour esquiver ça, c'est facile. Allez, mange ça. Ok, ça a de la vie. Ouais, parce que j'arrive pas à le toucher. Bon, y'a plus de monture. Oh, j'avais pas vu que ça balançait des graviers ça. Thank you.
c'est touché. Eh bah merde alors, pourquoi le deuxième m'a touché? Je cours moins vite? Ah là là, faut que je révise mes timings. Eh ben là 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 là. Décidément, je me prends toute. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire ça vers lui. Mais non, j'ai appuyé sur mon bouton. Ça va pas sauter. Ah là là, j'avais plus d'endurance pour faire mes esquives. Bon. Et on va s'amuser un petit peu. Merde. Fait chier. Ah là là, non. Ah. J'aurais survécu si j'étais pas tombé. Bah oui, j'ai même pas le temps de me réorganiser. Et tout juste. Ah merde.
fait planter quand je suis en haut et que tu fais ta course. Hey, qu'est-ce qui se passe? Phase 2. Bout de la corne. Pourquoi celle-là je l'esquive trop mal? Ok, c'était le normal.
effectivement. Ça me fait peur, à chaque fois j'ai l'impression que c'est celui qui va faire la mutation. Récupérer ma vie tranquille. Oh yes. Quoi? Oh ok, mâchoire de créature stellaire. Vous ne pouvez pas me donner juste des runes de forge. Alors, qu'est-ce que c'est comme comme type d'arme? C'est pas une dague, c'est pas une épée. C'est une arme colossale. Quoi ça ressemble? Ah oui, ok, c'est énorme. Et pas du tout. Les autres sont comme ça aussi. Ok, ouais, c'est le même maniement pour toutes les armes colossales. Alors, éclat de lumière stellaire. Bon, maintenant. Comment on fait pour aller là? On l'a retombé. Oh, le gros château dans la lave. Bon, on va redescendre par là. Ok, c'est bon. Par là. Ok, c'était juste pour le boss, ça. Je crois qu'au niveau de la carte, c'est pas très précis. On nous dit d'aller par là. Et comment aller par là? Y a-t-il une autre descente? C'est par en bas, je vois un site de grâce en bas. Hmm.
Oh, le site de grâce, c'est juste pour ça. Ah, ok, il faut passer par là. Oh punaise. J'ai cru que j'allais tomber en faisant le demi-tour. Bon. Papillon flamboyant. Graine dorée de 1 sur 4 pour avoir une potion de plus. Oh, cendre de guerre, projectile perforant. D'autres chemins à parcourir, je ne pense pas. Ok, on peut quand même descendre ici. Oh, des mains. Normalement j'avais vu que le site de grâce était en dessous. Non, c'est pas là. Ouh. Ok, la carte est là. Allez, cible. La carte, carte du mont Gelmir ou Gelmir. Et le site de grâce que j'ai tout à l'heure. On va s'y reposer. On devrait pouvoir monter un niveau. Force, force, ça me donne 2 de défense à toutes, l'endurance ça donne 1. Allez, montez à force. Ok, donc on va d'abord aller là-bas.
Allez, juste en dessous, voilà. J'ai laissé tomber quelque chose. Non, une larme larvaire. Si je regarde la carte. Ok. On va aller vers l'arbre. Cabane fétide, le pont qui était tout pété. Bah oui, je suis allé à la cabane, elle est visible. Donc là, on a fait gros détour comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, donc il y a ça qui permettra d'aller là. Moi, je suis parti par là-bas. Ok, on fera ça, 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 ça. Et ben, du ça, je suis déjà allé là. Ah oui, ça, c'était en bas. Il y aura le vrai village ici. Il y a une grotte là. Ça, on y va. Par là. Ah, ok. Il y a le village ici que j'ai pas fait. On pourra se téléporter là. Ok, bon. Là, on est là. Je vais massacrer, mais par quoi ? Voir un boss qui va arriver des airs. Esprit d'arbre ulcéreux. Ok, on a une statue de Marika. Ok, je l'ai vu venir, mais je l'ai pas esquivé comme il faut. Ok, ok, ok. On dit les gars, on en met, ça va. Je sais que ces attaques sont tellement weird. Mais non, deux fois. Là, je pense que finalement il a fini sa séquence. Ah non, là. Je suis mort. Pourquoi il m'emmène aussi loin? L'autre gros truc sur pied, il réapparaît pas.
la voix. Hein. Ben non. Mais non. Comment le coup dans le vide? Alors l'arme solidifiée grise, l'alarme secrète céruléenne. Bon, on va s'arrêter ici. Il y avait un cadavre à ramasser juste à l'entrée. Une dorée. Bon, bah on s'arrête ici pour cet épisode, alors j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, coche la cloche pour ne rien manquer, partage la chaîne avec tes amis, n'hésite pas à mettre un commentaire également, et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.